Nous sommes nés de nouveau et l'Esprit de Christ habite désormais dans notre cœur. Il devient notre compagnon de marche durant tout notre parcours d'enfant de Dieu. Il est donc nécessaire de savoir certaines choses sur lui afin de demeurer attaché à lui. Car, comme toute personne, il est possible de l'attrister. Éphésiens chapitre 4, verset 30. Et comme le dit le Seigneur, deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Amos chapitre 3, verset 3. Souvenons-nous que nous nous sommes engagés par les eaux du baptême à obéir en toutes choses au Seigneur Jésus, et ce, même si nous sommes d'un avis contraire. Nous devons d'abord savoir que Dieu déteste par-dessus tout l'orgueil. Revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. 1 Pierre, chapitre 5, verset 5. Nous devons être comme des petits enfants qui se laissent conduire par leur père. Ils croient en tout ce que leur dit leur père et le doute ne leur traverse pas l'esprit. L'humilité est la plus grande de leurs qualités car ils obéissent à chaque prescription de leur père sans condition. C'est ce que nous dit le Seigneur. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Luc chapitre 18 verset 17. Le Saint-Esprit n'est donné qu'à ceux qui ont pour seul but de faire la volonté de Dieu sans condition. Et Jésus veut que nous soyons ses témoins partout où il nous enverra dans le monde. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Actes chapitre 1, verset 8. C'est pour cela que nous devons savoir que ceux qui sont dans l'Église ne sont pas tous enfants de Dieu. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Romains chapitre 8, verset 14. Plusieurs ont reçu le Saint-Esprit, mais lorsque celui-ci leur demande de faire certaines choses, ils se laissent convaincre par leur raisonnement et ainsi, ils repoussent l'Esprit loin d'eux et ils perdent leur statut d'enfant de Dieu. Il faut savoir que notre raisonnement sera le premier à s'interposer aux ordonnances de l'Esprit, suivi par la multitude de nos semblables, y compris de certains frères de notre communauté chrétienne. Et cela parce que depuis notre enfance, nous avons été formatés dans un système de pensée emprunté de notre société. Aussi faut-il savoir que les mystiques sont nombreux à intégrer le corps de Christ pour le détruire de l'intérieur. Ils connaissent d'une manière surnaturelle ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Ils n'hésiteront pas à vous convaincre que vous êtes dans l'erreur à chaque fois que vous serez en train d'accomplir la volonté de Dieu. Si nous écoutons leur voix, alors l'Esprit s'attriste et prend du recul peu à peu jusqu'à son départ de notre vie. C'est pourquoi lorsque nous avons reçu une parole certaine de la part du Seigneur, il faut considérer comme un ennemi de notre âme tout ce qui nous poussera à ne pas y obéir. Nous devons protéger chaque parole que le Saint-Esprit nous donne comme notre plus grand trésor, afin que le Seigneur soit glorifié dans notre vie. Ne soyons pas étonnés des persécutions que nous subirons parce que nous voulons obéir au Seigneur, car il nous a avertis. Si le monde vous hait, c'est qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela le monde vous hait. Jean chapitre 15 verset 18 à 19. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Galates chapitre 5 verset 25. Tous ceux qui marchent par l'Esprit seront persécutés par ceux qui marchent selon la chair. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Galates chapitre 4, versets 28 à 29.